On se retrouve avec un Tactixu Ogre Reborn. Non, il y a, je pense pas qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait des ogres dans le jeu. Alors, il y a des dragons. Ça, oui. Il y a du dragon. Hein. Mais les ogres, moins. C'est vrai qu'ils auraient, ils auraient pu faire un effort quand même. Plus d'ogres. Faut écrire à Square Enix. Le jeu, il manque d'ogres quand même. Il y a Ghost of Tsushima, DC, 30€ à la Fnac. Ouais, il y a plein de promos avec le Black Friday. Ouais, ça commence aujourd'hui. Il y a pas mal de trucs, ouais. C'est le moment de faire vos emplettes de Noël. Alors attends, niveau du groupe, il peut aller jusqu'à 11 maintenant. Ah mince, il a pas. Attends, hop. Ok. Lui, il est invité. Il faudrait peut-être que je lui mette un petit soin. Même s'il a soin, ouais. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Je vais lui mettre une feuille médicinale quand même, au cas où il... Ah, j'ai récupéré des feuilles magiques, tiens, ça c'est bien. Elle est où ma soigneuse? Hop, je vais mettre une petite herbe magique. Je vais lui remettre sa feuille médicinale. Je vais peut-être même lui en mettre comme ça, parce que des fois, elle prend cher. Je sais plus si j'avais rechecké toutes les compétences. Elle, ça a l'air d'être bien. Ok. Ok. Oh bénite, qu'est-ce que ça fait ça? Libère des âmes de plusieurs morts vivants. Efface uniquement. Efficace uniquement sur les unités en léthargie. Je sais pas ce qu'ils appellent les unités en léthargie. Ah tiens, il a ce PM mais pas ce PM. Ah oui. Elle. Hop. Ah, c'est méditation, il n'y avait pas PM+, ok, je l'avais pas mis. Ah oui, parce que c'est... elle est encore invitée, oui, ok, je comprends. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Je peux utiliser un fouet. Le problème après, c'est que quand tu veux changer d'arme, tu es obligé de faire des combats pour que la compétence remonte. Après, j'imagine peut-être que tu trouves un personnage qui a le fouet directement. Arrêtez avec mon compte en banque, s'il te plaît, pareil. Kura qui est là, vivement la fin des mois. Ah oui, voiture, ça coûte cher.
les ennuis financiers sur les voitures. Ah, il y a une manœuvre là. Ah, peut-être faire un combat de manœuvre, hein, histoire de faire monter un peu les, l'XP. Niveau magasin, j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau. Ah, si, il y a de l'argent à récupérer. Non, si, il propose les fouets là quand même, non, c'est trop tôt encore. Lui, je pense que le perso qui joue un marteau, j'aurais dû lui changer son arme direct. Non, c'est un peu tard parce qu'en fait, il y a, au début du jeu, t'as pas d'évolution de marteau. Attends, il y a un autre truc que je voulais voir. C'est où la classe parchemin? Dompteur. Familière des bêtes et des dragons. Cette unité est capable de dresser des créatures et d'exploiter toute l'étendue de leurs capacités. Ça a l'air marrant, ça. Ah, par contre, ouais, ça va peut-être pas être des nams, quoi. Je sais pas qui. Tout le monde a accès à un changement de classe, en fait. Ouais, guerrier, faut que j'en garde un. N'importe qui peut passer n'importe quoi, c'est marrant dans le jeu. Faut aller voir, ouais, peut-être un perso que j'utilise plus, peut-être lui changer sa classe. J'ai déjà. C'est vrai, peut-être l'archère, peut-être que je la passe dompteuse. Celle que j'utilise moins là, Attila. Ton casque de vélo, il est abîmé. Faut que tu changes. Bah, de toute façon, le matos, hein, c'est fait pour malheureusement vivre et puis. Même si des fois pas très longtemps. Ah, donc, toi, c'est peut-être drôle, hein. Et puis, c'est une classe que j'ai pas, ouais. Après, je peux pas savoir si je vais l'avoir ou pas. C'est vrai que j'aurais bien. Faudrait faire un test en fait. Faudrait faire une map et puis jouer avec, voir ce que ça fait. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se passe de dresser des créatures. C'est genre. Il faut qu'elle les chope. J'imagine. Ah oui, parce que t'as un casque d'hiver en plus, c'est un casque d'été. Ouais. Alors, la reconnaissance, pour voir où ils sont. D'accord, on est à peu près sur la même map. Ouais, y a pas l'air d'avoir trop de monde, là. Alors, on a quoi, là? Un berserker, une voleuse. Ah! Familière des bêtes et des dragons. Je sais pas si ça peut les invoquer, les appeler, je sais pas ce que ça fait, en fait. Ils ont un voleur, ils ont deux dompteuses. Bah tiens, on verra ce que ça fait une dompteuse. Allez, c'est parti. C'est quoi les conditions? Ah merde! Gagner avec un dompteur dans l'équipe. Ah, je sens que le jeu veut que je tente la dompteuse, hein. On va essayer, puis si ça me plaît pas, je sauvegarderai pas. Hein. Alors attends, c'est elle. Hop. Par contre, alors ça joue quelle arme? Une dompteuse. Ça joue au cac? Un fouet?
Elle peut jouer l'arc, la dompteuse. Il s'en fout, le jeu. De toute façon, j'ai pas de fouet. Donc, tâche de bête. Ah, attendre d'improviser une bête pour qu'elle rejoigne votre cause. Ah oui, c'est ça, donc il faut avoir un dragon sur la map, quoi. Il faut avoir une bête sur la map. Mais alors, c'est marrant, parce que du coup, ça peut jouer arc et... Je suis pas sûr que lui foutre un arc à dompteux, ça soit vraiment ouf, hein. Parce qu'en arc... Ah oui, parce qu'elle garde ses stats d'accord d'attribut. Oui, évidemment, elle est comme elle a fait de l'arc avant. Ah, il vaut mieux que je la laisse avec un arc, en fait. Parce que sinon... mettre un peu de défense. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ouais, elle a pas beaucoup d'autres compétences, évidemment. Ah, si je pouvais acheter un fouet, j'aurais mis un fouet, une dompteuse avec un fouet. Sarbacane. Ça a l'air marrant, ça. Mais je crois que c'est, ouais, c'est des objets que j'ai pas encore. À moins que je les ai récupérés sans m'en rendre compte, mais ça m'étonnerait. J'ai récupéré point... Ouais, non, j'ai pas. Tu lui mets une grosse épée à deux mains, t'sais. Ah oui, le fait de lui changer l'arme, ah oui, ça... D'accord, c'est marrant, ça dépend pas tellement de la... Ce qui est marrant, d'ailleurs, que ça dépend pas tellement de la compétence. Pourtant, elle devrait être plus... Ah, ou alors je lui mets un grand arc, ouais. J'achète un grand arc. C'est combien, un grand arc? Non, j'ai pas de fouet, j'ai pas accès, j'en ai pas récupéré, c'est peut-être pour plus tard. Peut-être là, avec cette bataille. Hein. Mais là, comme de base, elle maniait l'arc. Ah, autant j'ai les arbalètes. Ah, si, la sarbacane, j'ai. 2 à 4. Par contre, la portée, elle a l'air un peu ridicule. Hein. Arbalète à jalet, ça a l'air stylé, hein. Ouais, j'ai pas de fouet, ouais. Puis c'est pareil, la compétence arbalète, malheureusement, je l'ai pas travaillé, donc je vais pas acheter ça. Hein. Pourquoi il y a une petite bête à côté? Vous avez vu, il y a une flèche avec 8. Et à côté, il y a un truc. Une bestiole. Avec 5, je sais pas ce que c'est. Bon, ouais, tiens, on va essayer ça pour le lol. Tu peux lui laisser un bouclier avec sa sarbacane. Par contre, il faut pas une compétence sarbacane. Est-ce que tu peux lui mettre un arc et une sarbacane? Ah oui, mais pas un grand arc du coup. Un arc et un petit. Ça doit marcher. Oui, c'est ça. T'as pris le Pokémon, Rissomou? Je me souvenais pas que tu jouais au Poké. Qui c'est que j'enlève?
Oui, je peux faire sans mon archer classique. Ou alors j'enlève. Ouais, tiens, peut-être lui. Attends, comment je fais pour... Comment je fais pour changer d'unité, là? Ah, pour appuyer une fois, okay. C'est Fréon qui avait fait le remake, ouais. Oui, je me rappelle. Il avait joué un Pokémon, ouais. Mais je me souvenais même pas que Rissomo avait une Switch, moi, alors c'est pour te dire. Je laisse la voie un peu ouverte là parce que donc il va y avoir un bouchon sur le petit pont. Si je veux faire passer les chevaliers. Ouais, c'est une petite portée, ouais. Ok. Ah oui, d'accord, c'est qu'elle a des coups de poing en plus. Elle peut faire coup de poing, coup de sarbacane, d'accord, ok. Bon. C'est marrant que lui puisse aller jusque là. Tiens, prends une caillasse. Lui, il a le même déplacement que celui qu'on avait un peu de mal à gérer dans Manal Art. Qui nous servait à rien. Parce que je pense que j'arrive pas à le toucher de là. Ah! Est-ce que ça passe? Ça s'écrase lamentablement. Ah non, ça a l'air de passer. 82, il s'est placé comme une merde, lui. 82. 72. Ah, je peux placer peut-être... Ah non, je peux pas placer un petit nuage de poison. Ok, c'est un peu tôt. Bon bah, une petite rafale. Ouais, là, il y a un problème, c'est qu'il y a un peu bouchon, là. C'est ma soigneuse là. Hein. Tout le monde peut pas passer là. Ouais, ça va arriver vite. Hein. Ah bah non, j'aurais dû la reculer. Ouais, je pensais pas qu'il pouvait être efficace comme ça. Ouais, j'imagine que lui, je peux pas l'arroser là où il s'est mis. Bon, on va arroser lui. 47, c'est pas ouf. 47, qu'est-ce qu'on a, une magie peut-être? 79, mieux. 56, moins bien. Boule de feu, 69. 69, ok, bon bah... Non, attends, on va peut-être pas la mettre au cac, elle.
Attends, comment ça marche là? Ah, par contre, la Sarbacane... Attends, faut peut-être mieux que je le mette là, en fait. Ouais, parce que ça doit être comme le... Ça doit faire un truc bizarre. Ah oui! Ah, c'est puissant comme arme! Oh putain, la violence! Bon, après, je suis compétent, je suis niveau 1 aussi. Hein. Ah ouais! Ah, quand t'es pas habitué, ça envoie la Sarbacane. Hein. Ah, elle est partie dans la cheminée, mon caillou. J'ai bouché la cheminée, tu sais. Ouais, lui, je vais faire tour aussi, en fait. Que j'avais le toucher ou ça était dans la cheminée aussi. Tiens. Attends, je vais la déplacer un peu là parce que. Il m'avait pris un peu plein la gueule. Bon, oh, peut-être pas besoin de la soigner pour le moment, on va laisser. Un petit peu de poison. Oh, ça a marché sur les trois. L'âge d'or, c'est la fin de l'âge d'RDS pour les Pokémon. C'est quoi, noir et argent? Non, noir et blanc. Putain, waouh, mais attends, elle est censée jouer quelle arme elle? Parce que ça, elle fait zéro dégâts là. Elle sert absolument à rien elle. C'est une catastrophe. Ouais, cette parade. C'est injuste ça. Ah ouais, d'accord, il est comme ça lui. Lui peut strictement rien faire. Bon, attends, tant qu'à faire, je vais soigner alors, du coup. Ouais, de platine, noir, blanc 2, ok. J'aurais dû le laisser de face. Pourquoi on peut pas? Ah ouais, ok, on peut pas, je peux pas le déplacer. Ok. Sans doute parce qu'il y a un de ses collègues à côté. Ah oui, il se relaie là. Hein. Les autres qui prennent le poison là-bas. Un son plus tard. Pas trop comment ça se passe là. Ok, là ça se déplace. Ouais, alors attends là. Ouais, elle doit pas prendre grand chose. 70, 85, 75, 60. On va remettre un petit coup de poison, mais pas tout de suite. Allez, je vais la taper un peu. Je vais peut-être me déplacer pour les faire avancer. Alors attends, ça fait combien? 52, 89. Quatre, 71, 108.
Oh bah oui. Boum. Un petit 108. Ouais, je suis bien embêté, hein, parce que je sais pas comment faire du coup. 10 de dégâts. Gros potentiel. Hein. Même si Noir et Blanc est un peu en retrait, mais c'est probablement le meilleur scénario de la série. Ah. Oh, c'est de parade avec la hache. Voilà, elle peut faire un petit soin là. Se poser de questions. Coup de marteau dans la lugue. Hop, ça a tué. Putain, c'est pas mal le poison en fait, hein. En tout cas, là, ça marche bien. Cette config. Alors. 61, 71, 54, ce sera 71. On s'est envoyé une grande attaque. Hein. Ah, hein. Ah ouais, non mais ça a l'air franchement, ça a l'air hyper puissant. Donc, non mais je pense que c'est parce que c'est pas une classe native et que ça a rien changé dans le. Ah merde. Je pense qu'à mon avis, si elle n'est pas nativement dompteuse, ça sert absolument à rien. Ah, dis tiens, je vais aller taper le. Je suis d'humeur enjouée, je vais aller taper le guerrier. Enfin, le chevalier pour le coup. Ouais, je pense que en fait c'est un perso qui joue au cac, j'ai l'impression.
Ça le tue lui, non? 42, 47, ouais, ça le tue. C'est quoi ça? Tout du forcené, c'est coup critique ça? Un petit soin sur la dompteuse. La dompteuse qui se fait un peu prendre en sandwich. Hein. Mais comment ça se fait? Ah ouais, le changement de classe c'est... est vraiment pas bon hein. Waouh, je vais changer de classe en vrai dans le jeu. Hein. Oh, cette parade magique qu'elle nous a sortie elle. Bon, je fais cette bataille un peu pour la peau en fait, hein, parce que je reviendrai à l'état d'avant et je changerai pas. Hein. J'attendrai. Je vais faire ce lol, devrait suffire. Ah non, ça passait pas. Ok, bah alors là, vous voyez, ça m'était pas du tout indiqué. Je voyais pas que ça passait pas. Ok, bon, dommage. Vous voyez pas le petit muret, j'étais pas avec la bonne caméra. Ça le tue pas, ça. Est-ce que j'ai besoin de sa compétence? Non. Je vais donc le déplacer. Ouais, on va taper comme ça. Je sais pas s'il a tenaille. Ah bah c'est, ça l'a tué, tac. Ok. Ah ouais, la voleuse, elle se déplace bien. Attends, je vais essayer un truc. C'est combien le coup de bâton? Non, moins 1. Enfin, ça fait qu'un, pardon. Ouais, de la merde. Ah, je crois qu'il vaut mieux pas trop se mettre en bout de carte, parce que si je tombe, c'est pas une bonne idée, hein. L'occasion de tuer quelqu'un. Mais non. Ça a l'air une... ça a l'air d'être une pas mauvaise classe quand tu la vois jouer. Ah bah il peut rester où il est en fait.
Bon, c'est bon, elle va pas parer la magie là, si. Quand même. Ça sera peut-être plus court par là. Hein. Hop. Un peu d'arc dans la lugue. Si je pourrais la soigner de là. Ah, c'est ça. Non, je vais me mettre là. Ah ouais, il n'y a aucun truc qui fonctionne, quoi. C'est dingue ça. Un peu l'arc quoi, mais encore même pas. C'est sur elle, y a rien qui fonctionne, ouais. Ouais, là, changement de classe complètement inutile fait par le joueur français. Ah, tu vas faire une petite map de Tactics Seven, le premier ? Merde ! J'ai été trop vite, j'ai visé le mur. Oh putain. GG l'artiste. Comme elle crie alors qu'elle prend un caillou, ça lui fait un dégât, elle crie comme si elle venait de mourir. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Je sais pas ce qu'elle avait choisi de taper là. Si elle va aller taper, elle va continuer à taper la fausse dompteuse là qui ne me sert absolument à rien. Ah quoi que non, je dois pas avoir... Attends, est-ce que j'arrive à la toucher avec l'arc? C'est pas sûr. Ah oui, là où elle est. Je vais être obligé d'y aller au cac. Ah, moins un point dans le dos. Ah, il valait mieux encore quand il y avait le surin. J'y arrive pas, ouais, c'est une catastrophe. Non, j'ai déjà dit de pas me mettre en bout de...
bout de map. Bébé. Ouais, le premier. Tu ressors ta GBA? Mais par contre, évidemment, ça a pris du niveau. Hein. Attends, elle a appris les compétences là. Peut-être que. Je comprends pas pourquoi elle frappe. Ce que je comprends pas, c'est que. Pourquoi. Le truc que j'ai raté là. Je sais pas pourquoi elle frappe aussi peu fort en fait. Je. Parce qu'elle a des plus grosses stats à l'arc. Je comprends pas comment ça fonctionne honnêtement. Elle peut pas manier de dague, hein. Ou de sur, hein. Ouais, non, elle a pas l'air. Elle est vraiment bizarre cette classe là. Je comprends pas comment elle fonctionne. Parce que même au cac, elle faisait rien. Sarbacane est passé niveau 2, mais elle connaît 0. Je comprends pas comment fonctionne cette classe. Lancer d'objets. Domptage dragon. Domptage de bête. Tente d'apprivoiser une bête pour qu'elle rejoigne votre cause. Ouais. Ouais, et puis après. Par contre, elle gagne des trucs assez vite, quoi. Tu peux augmenter ses PV. Bon après ça, ça vaut le coup de le mettre que quand il y a des bêtes ou des dragons en fait. Quand il n'y en a pas, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Là, il n'y avait rien, donc du coup... Alors les PM, elle, on n'utilise pas. Pareil, ça sert à rien, vous lui mettez ça. Mais alors là, il y a un truc que je comprends pas que... En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi avec son... Sarbacane, c'est pourtant une arme de sa classe qu'elle faisait pas de dégâts. Parce qu'elle doit garder ses compétences d'archère en fait quand tu la changes. Ah, sur ta 3DS, tu l'as installée. Tu joues à... Ok. Ouais. Bon. On va recharger, on va refaire la map, mais sans... Ah, bon, on va faire vite fait, on s'arrêtera en cours. Mais ouais, je pense que le changement de classe... Parce que dompteuse, ça a l'air bien, mais... Apparemment, changer un perso de classe, c'est pas ouf, hein, parce que t'as pas... Évidemment, elle a gardé ses stats d'archère, quoi. Ce qui semble logique, hein. En règle générale, changer de complètement de classe, c'est idiot, à part... Par si c'est à peu près dans le même... Dans une sorte de même ligne, quoi. Et là, c'est un peu étrange, j'ai l'impression que tu peux prendre n'importe quelle classe, mais du coup, ça a vraiment un impact sur les stats. Ce qui est plutôt logique, à la différence de Xeno 3, où tu changeais de classe et ça changeait bon, un petit peu, mais pas non plus... Ah oui, merde, ça va carrément... Ok, c'est violent, là. Quitter le jeu, oui, j'ai oublié. C'est le jeu, ça. Qui doit manger. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir essayé parce que c'est toujours ça. Après, au moins, on en apprend un peu plus. Et ça, on sait que ça marche pas bien. En tout cas, je pense que ça marche mieux avec d'autres classes, mais passer de archer à dompteux, c'est de la merde. Attends, ça, c'est la sauvegarde auto, hein, donc non. Nous, on veut ça.
Là, elle est archer. Ok. Bah du coup, je vais quand même la mettre dans l'équipe, hein, parce que ça permet... Ah, il y a lui aussi qu'il faudrait que je mette. Ok, mais je vais peut-être plutôt jouer... D'accord, je vois à peu près ce que je vais faire. Et je... Attends, je sais plus, il y avait un perso, je crois qu'il fallait que j'aille voir les compétences, non? Il y en avait un, j'avais oublié, je crois, de lui mettre un truc. Tiens, lui, il a PV. PV, il a méditation, mais il a plus de PM, alors c'est peut-être pas vraiment utile pour le moment. Ouais, la PV s'est mis. Alors, un truc féerique aussi, c'est en vrai, c'est pareil, mais bon, j'ai rien de mieux à mettre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de fée, là, donc ça sert à rien. Là. Oui, bah lui, il a pas grand-chose. Ça lui fera du bien d'aller... Persuasion humaine, encore, à la limite. Là, ce sera un peu plus utile. Et là, on a PV, tenaille, persuasion humaine. Ah, c'est pareil, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui ait une épée à deux mains, mais je me dis, il faut lui apprendre toute la compétence, en fait. Donc, ça va être au début, ça va pas être très fort. Même si je me doute que le chevalier, quand même, est... Ah, en plus, c'est une compétence particulière, l'épée à deux mains. Ah ouais, donc c'est une classe particulière. Parce que ça, c'est épée une main. Ouais, je pense qu'il faut pas trop s'amuser à changer les classes, quand même. Hein. J'ai quand même une impression où ça a l'air... Ou alors, il y a des mécaniques que je comprends absolument pas. Allez, on est reparti. Donc là, je vais prendre... Hop, 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 hop. Je vais jouer lui. Tac. Et je vais jouer l'autre archer. Attends de le faire monter un peu. Puis je vais le faire monter. Tac. Allez, parti. On est reparti. Bon, le prêtre, je vais pas le bouger. Non plus. Il est très bien là où il est. Notre Gandalf personnel. L'archer, c'est pareil, c'est pas une obligation vu qu'ils vont venir vers nous. Attends, c'est laquelle? Oula, je voulais légèrement la déplacer, mais ça sert à rien parce qu'ils vont tous arriver là. Par contre, je vais faire monter lui. Attends, hop. Ça, ça force l'archer à bouger. Mais l'imagine... Ah non, c'est celui qui joue marteau.
Ouais, là par contre, faut que je la déplace. Parce qu'elle, elle a un arc court avec un surin. C'est un naufrage comblé, je suis tombé sur un groupe de monstres et j'ai pris des classes faibles, ça a été un massacre. Ah, c'est pas évident de reprendre un... Honnêtement, reprendre un Tactics comme ça, surtout quand il a des règles un petit peu... un peu tendax, c'est vraiment pas facile. Hein. Déjà, reprendre un jeu en vrai, de manière générale, c'est jamais simple. Il la rose tellement lui quand tu le mets ici là, franchement il a une position tellement divine là sur la map. En plus personne venir vu la configuration. Attends c'est qui? Ah oui c'est... Personne peut venir l'embêter. Mettre là en fait. Si j'avance trop, ils vont venir tous m'embouteiller la tête. Ça allait être un massacre si je l'avançais plus. Il m'a fallu que j'avance un perso avec de la magie en fait. Parce que là. En même temps, ouais, parce que là, ça va être bouché pour le magicien. Bon, il s'occupera des autres. Ah ouais, elle arrive à t'utiliser dans un trou de souris. Hein. 45, tac, on va soigner. Ah, je me déplace un peu. Hop. Je change le soin, faut que je le mette en premier, sinon je vais sortir exorcisme sans faire exprès. Hop, là on va peut-être essayer de mettre un peu de poison. Attends, moins que j'arrive à en mettre carrément là-bas. Ça va être chaud, est-ce que là, si j'avance... Ah ouais non, je suis au maxi, ok, bon ça va être un peu chaud, mais une magie, j'ai peur que... Ça passe pas là, si ça passe, ok. Ah, ils hésitent pas à se barrer pour aller chercher des... Ils ont raison, hein. Et en même temps, c'est son manque de niveau, hein, parce que même sur lui, elle fait que moins 15. Ah bah là, je touche pas. Ah ouais, elle fait pas beaucoup de dégâts avec son petit arc, hein. En même temps, là, en dessous, ça aide pas. Faut peut-être la faire avancer. Ah oui, mais elle avance pas beaucoup plus, donc ça changera pas grand-chose. Après, c'est un petit arc. Ah, si! Attends, 53... Ah oui, attends, si sur elle, elle fait plus de dégâts. Bon, après, elle a un retard à l'arc, hein, donc c'est normal aussi. Il y en a un qui est en train de se gaver, là. Qu'est-ce qu'il a? Lui fait de la magie? Je me souviens plus. Ah, il fait de la magie. Faut pas faire de petites brochettes... Bon bah on va aller taper un peu là. Hein. Ouh, pour un petit critique, ça fait plaisir. Dans ça qui de jouer après. Ouais donc du coup je peux pas faire... Attends si il peut pas se déplacer. Attends c'est qui? Ouais non ça va pas marcher. Ok je voulais voir si je pouvais replacer mes mecs mais je peux pas. Parce qu'en fait il y a celui qui est à côté. L'ennemi avec le casque qui va bouger après. Et du coup je ne peux pas.
Enfin, ils vont tous chercher les cartes. Hein. En même temps, c'est normal parce que je bouge pas beaucoup, moi. Ça, c'est de la chance. Une carte qui apparaît juste là. Je crois qu'il a pas de compétences d'ailleurs. Ça fuit. Hey, ils aiment bien l'IA faire une attaque et se déplacer immédiatement après. Hein. Ah, attends, ouais, je pense que je peux pas le placer là. Parce que le petit poison là aurait été bien, mais je peux pas le placer. Ok, dommage. Là ou là, non, bah là, du coup, vu ce grand choix, ton dompteur était pas là. Bah, si ton dompteur a été aussi efficace que la mienne, là que j'ai changé de classe, c'est je comprends. Mais ça est une bonne classe pourtant. Hein. Faudrait que j'arrive à m'en fournir un. Mon fournisseur de classe devrait me proposer. C'est quoi sa compétence? Ah oui, impact. Alors, on a quoi, là? 69... 62... Ah, hop, 109! Tiens. Boum! Ah oui, bah là, je vais avancer, hein. Allez, il faut... Tac. Hop. Je vais me tourner maison. Là, est-ce que je l'envoie là ou là, lui? Attends, c'est qui joue après? C'est le guerrier unique qui est en haut, et ensuite c'est le soigneur. Ouais. Il y a Runi qui va être, il va être bloqué. Ensuite, il faut que je le soigne en plus. Ouais. C'est marrant cette pierre là. Ok. C'est marrant ça. Méditation. Est-ce que je le ferai pas reculer pour les faire un petit peu avancer là? Peut-être pas trop, hein, juste d'un carré, parce que sinon après j'ai peur qu'elle vienne envahir le magicien là. On va le soigner là. Pas le magicien, le prêtre. Ah bah j'y arrive quand même, ok, j'ai oublié que c'était une archère. Un petit coup dans la lugue. Non, on peut pas bouger là parce qu'après. Ouais. J'ai un point de riposte. Là, je sens que mon poison. Ouh là là. Je sens que mon poison est efficace. Là. On peut pas tous prendre. Ouais, ça a raté. On a quand même eu 2 sur 4. Ils étaient tous regroupés là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est ce tornade, ok. Je croyais que c'était genre un peu plus musclé, mais non. Cette tornade. Alors, 13. 1.
Alors 54. Bon bah écoute, hein, 50. Ah mais non, ça tombe dans le mur. Bon bah 13 alors. Comment ça se fait que Starshare avait pas radon en plus? Comment ça se fait que Starshare est devenu aussi nul? C'est vraiment la différence de niveau, je pense. Hein. Ils sont combien? Non, j'ai pas regardé combien ils étaient. 69, ça tue pas. Là, ça tue. Et là, ça tue aussi. Attends, quel a pas. Ah merde, c'est les deux qui ont poison, dommage. Je crois que... Il a sa compétence ? Ah oui. Du coup, je l'ai poussé, ça lui a fait prendre une carte. Hop, le décès. Bon, de toute façon, hein. C'est qui joue après? C'est lui. Ah bah d'accord, oui, mais évidemment, il va taper magicien. Logique. On s'est un peu troué, là. On a trop avancé. Ah, on va pouvoir faire une petite brochette. Mauvaise idée d'aller t'aligner avec ta pote. Ah mince. C'est pas le... le sucre que je croyais. Il joue à quand lui? Il joue pas tout de suite? Parce que lui il va se déplacer. Je suis peut-être un peu près là. Là si je le rate quand même. Ah je le finis pas. Là non plus parce qu'il lui en reste 134. Ok. Ouais, vraiment, elle a vraiment du mal, elle, hein, sur la map. Partout où je la place, elle est vraiment pas à l'aise. Non, j'ai essayé une persuasion humaine, ça n'a toujours pas marché. Tue mon magicien, lui, à force. Hein. Ah, mais attends, j'ai. Mais non, j'ai pas besoin de bouger. Oh.
Ouais, moi je disais qu'il se fait dézinguer. Mon soigneur, par exemple, s'est fait dézinguer. Attends, je fais quoi, moi? Ah oui, il n'y avait plus personne, de toute façon. Ah, faut que j'aille par là. On va réussir à le tuer, lui, non? J'aurais pu le descendre, lui, hein. Ah, attends, j'aurais peut-être faire utiliser un coup de surin, non? Ça serait peut-être mieux. Un bac puissant. Plus 107. Ah, c'est un soin. Tu ramènes des classes avec des armes pas puissantes, que tu prends plein de mèches blancs, faut pas s'étonner que ça finisse mal avec deux dragons. Ouais. Donc là j'ai pas le bonus parce que j'ai pas de dompteuse dans mon équipe. Du coup fait chier parce que j'avais amené pour que mon mon soigneur prenne et je l'ai fait tuer comme un con. Ouais, que je me refasse la petite bataille cet après-midi. Du coup il est toujours là, hein. On est d'accord qu'il a pas disparu. Ouais, ok. Là, ah, d'accord. En plus, dans les batailles qui comptent. D'accord, dans les manœuvres, en fait, le coma n'existe pas, en vrai. C'est juste, il sort. Mais il n'y a pas l'histoire des comas, là. Okay, c'est juste, tu dégages. Mais alors, par contre, mon archer, là. Bon, là, ça lui a fait du bien. Elle va être niveau 9. Celui que je trouve vraiment pas ouf. Bah, du coup, c'est. Ouais, lui, le problème, c'est son arme. C'est le marteau hein, dans le jeu, c'est vraiment pas dingue. Et le problème, c'est que comme il a pas appris l'épée, il va pas faire de dégâts. Parce que je suis sûr que c'est pareil si je lui mets une épée. J'essaierai, mais je pense qu'il va pas faire de dégâts. Il me reste pas une épée, j'ai tout vendu. Il me reste pas une épée. Ah si, j'ai une épée courte. Ouais, je pense qu'il va faire zéro dégâts. Parce qu'en fait, la masse, le marteau, c'est assez décevant. La hache, c'est cool, mais alors je trouve que le marteau. Zéro. Les PM, ouais, absolument mec plus 9. Parce qu'il a pas méditation, lui, de toute façon. Ouais. Oh. Persuasion humaine, là, on n'arrive pas à l'utiliser. Il a PM plus, ouais, on peut. Ouais, une obligation, on peut. Alors attends, eux ils ont pas joué. Ah merde, hop. Hop. PM. Pas besoin. Immédiat, on en a pas besoin. L'archère,
PV, oui, ça c'est cool. Attends, faut que je remette ça. Ouais. Ça c'est pas mal. Lui, il a rien de plus. Ok, non, non plus. Ouais, que lui, le guerrier unique, ouais, il avait déjà un certain niveau à l'épée. Oui, je vais lui laisser méditation, c'est plus intéressant. Et là, par contre, on va... Attends, c'est qui? Lui, je sais plus. Ouais, s'il a de la magie, lui, on va mettre PM. Ah oui, tiens, il a... Ok, il a pris... Après, peut-être que sa race aurait été intéressante dès le début, que quand, enfin, quand je l'ai récupérée, de la faire jouer arbalète, parce qu'elle avait déjà un certain niveau d'arbalète quand je l'ai récupérée. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut prendre les persos comme ils sont, et puis après, mettre ce qui peut être utile. Allez, on sauvegarde, et on continuera ça. Si j'arrive à sauvegarder, hop. On continuera ça cet après-midi. Sauvegarde, c'est une bonne idée. Ouais, c'est mieux. Ça aide la sauvegarde. Il y a une sauvegarde automatique dans le jeu. Hein. Je pense que là, après la bataille, la sauvegarde automatique était active. Parce que tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé et je ne l'ai pas utilisé. Merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve à partir de 14h. On fera moite-moite, je pense. Un petit peu d'EDF en début. Et ensuite, on fera... Il faut que je fasse encore un petit peu de training là-dessus, hein, malheureusement. Ça tombe mal parce que à chaque fois que les séances de training elles sont proposées, je peux pas les faire hors stream. Du coup, c'est chiant. Faudrait que je vois, mais là j'aurai pas le temps. Ce qui fait que c'est un peu pénible parce que du coup, là, je suis obligé de monter un peu les persos quand même. Surtout qu'on voit ils peuvent être un peu justes. Et bah, pas de chance, ouais, ça tombe sur les séances de stream. Faudrait que je vois. Bon. En tout cas, bon appétit, merci d'avoir suivi tout ça, et nous, on se retrouve à partir de 14h. À toutes, ciao, bye bye, et gaming !